L'affaire dite EDMSA ne cesse d'évoluer. Après les arrestations des cadres de la structure, on apprend ce mardi l'arrestation de plusieurs opérateurs économiques par la justice. Les détails, ça sera dans ce journal. Du 30 avril au 10 mai 2024, à Bamako, Arcade Santé Plus et ses partenaires organisent une campagne de communication, de sensibilisation et de dépistage communautaire pour lutter contre la tuberculose au Mali. Le prestigieux Grand Prix Carrosse d'Or remporté par le réalisateur malien Souleymane Cissé en 2023 lors du Festival des Cannes est introuvable. Le trophée a disparu et des procédures sont engagées afin de le retrouver. Voilà donc pour le sommaire. Un plaisir de vous retrouver pour ce bulletin d'information. Bonsoir à tous et bienvenue sur la télé totalement vôtre. Dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars de chaque année, Arcade Santé Plus, en partenariat avec la synergie Action Santé, le comité anti-tuberculeux et de lutte contre les maladies respiratoires du Mali, organise des activités de communication, de sensibilisation et de dépistage communautaire du 30 avril au 10 mai 2024 à Bamako. Le lancement de ces journées s'est tenu ce mardi 30 avril 2024 sur le terrain de Korofina en commune 2 du district de Bamako. Le compte-rendu est signé Assitan Diallo, Montala Ouattara. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. C'est dans l'optique de faire de ce thème national une réalité que Arcade Santé Plus et ses partenaires entendent organiser une caravane d'information et des campagnes de consultation en radio thoracique à Bamako, en commune 1 et 6 du district de Bamako. Malheureusement, beaucoup de personnes ne pensent plus à cette maladie. Pourtant, elle est là. Elle est dans les sous-tramas. Dans nos lieux de culte, j'en passe. Un dépistage précoce conduit à une prise en charge précoce pour assurer une guérison sans complications. Nous sensibilisons la population à l'importance du dépistage et sa gratuité et celui du traitement. Ce sont les CSRF et CSCOM de Sikoroni, Doumanzana, Bangoni, Senou, Nyamakoro qui bénéficieront de cette caravane. Ainsi, le maximum de personnes seront sensibilisées et consultées, ce qui constitue un pan important vers l'éradication de la tuberculose. En moyenne, chaque 13 secondes dans le monde, il y a une personne qui est atteinte de tuberculose. Chaque minute qui passe, il y a une personne qui perd sa vie à cause de la tuberculose dans le monde. Malgré tout cela, quand même les avancées dans le diagnostic et le traitement de la tuberculose ont permis de sauver 75 millions de vies depuis 2000. Le gouvernement du Mali, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, fournit d'énormes efforts pour assurer la gratuité du diagnostic et du traitement de la tuberculose et du VIH-SIDA à travers l'ensemble du pays. Ainsi, à la suite de ces efforts, des résultats satisfaisants ont été enregistrés en 2023 par rapport à 2022. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. En plus du lancement officiel des activités de cette campagne, a eu lieu la visite de l'unité tuberculose du CSRF de la commune 1 et la présentation du matériel de dépistage. Ainsi, les campagnes se dérouleront jusqu'au 10 mai 2024. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, selon des sources concordantes, on n'a pas fini avec les arrestations dans l'affaire dite EDMSA. Plusieurs opérateurs économiques ont été interpellés ce lundi à Bamako. Les explications avec Alamako Diabati. Selon les informations de notre confrère Issiaka Tamboura, dit Issiaka Lambda, très informé sur les dossiers de la lutte contre la corruption, recherché depuis un moment, le jeune opérateur économique pétrolier Mama Nyakadou, dit
NDC a été interpellé hier à Bamako. Il ne serait pas le seul puisque deux autres opérateurs dont les identités n'ont pas été encore précisées ont aussi été interpellés. Leurs interpellations auraient un lien avec le dossier de l'EDMSA. Des sources introduites répondent par la positive. Ils seront, selon les mêmes sources, incessamment présentés à un juge. Dans la même affaire, l'autre célèbre opérateur économique pétrolier Mamala avait été interpellé et mis sous mandat de dépôt en février dernier. Il a depuis bénéficié d'une libération sous caution. Aussi, l'ancien ministre des Mines de l'Énergie, Lamine Seydou Traoré, ainsi que deux anciens directeurs de l'énergie du Mali sont toujours en détention dans le même dossier. Actualité sur un tout autre plan, le prestigieux Grand Prix Carrosse d'Or, remporté par le réalisateur malien Souleymane Cissé lors de l'ouverture du Festival des Cannes le 17 mai 2023, est introuvable. En effet, le cinéaste ne retrouve plus sa célèbre distinction depuis maintenant 3 jours. Pour en savoir davantage sur cette disparition, notre équipe de reportage conduite par Adam Tangara est allée à la rencontre du cinéaste à son domicile afin d'en savoir davantage. Je vous propose ici de suivre. Le réalisateur malien Souleymane Cissé a honoré le cinéma africain en remportant le célèbre Carrosse d'Or lors du Festival de Cannes 2023. Malheureusement, le trophée a disparu du domicile du célèbre cinéaste il y a de cela quelques jours. Cette disparition, je me pose la question si c'est vraiment un voleur, un brigand. Je ne sais pas comment ça s'est passé vraiment. C'est d'habitude, j'ai mes petits-enfants ici avec moi, ils sont 5, on n'est pas nombreux. Donc, avec le gardien et quelques employés, 2, 3, bon, mais... Et ils ne rentraient pas chez moi. Donc, ils ne pouvaient pas savoir que le carrosse se trouvait dans ma chambre. Alors, avant-hier, j'ai voulu prendre ça pour amener, faire voir ça à quelqu'un. Je me suis rendu compte qu'il n'est pas dans sa boîte. Alors, je croyais... J'avais oublié, comme là, j'ai là, quelque part dans la maison. Mais rien à faire, j'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. Dévasté par cette disparition, le lauréat du Carrosse d'Or a entamé les procédures judiciaires nécessaires pour retrouver son trophée. J'avoue, je suis... Je n'arrive pas à percevoir cette perte, parce que je ne comprends pas pourquoi. J'étais obligé hier de passer à la police, au commissariat 3e arrondissement, pour faire une déclaration de vol. Ils ont enregistré, puis m'ont envoyé vers la brigade de recherche. J'ai donné des informations. Et puis voilà, aujourd'hui je voulais aller voir la direction nationale des douanes, comme me l'avait demandé au ministre de la Culture, qui m'a appelé hier soir. Il était très surpris quand même de ce vol. Et comment faire pour récupérer ce trophée? À noter que les autorités sont à pied d'œuvre pour aider le cinéaste à retrouver ce trophée qui fait la fierté de tout le pays. Après des échanges téléphoniques avec le ministre de la Culture, M. Cissé a reçu ce mardi la visite du directeur du Centre national de la cinématographie, venu apporter le soutien des autorités en cette douloureuse circonstance. Une délégation russe a effectué ce mardi 30 avril 2024 une visite dans les locaux de l'établissement scolaire Aloukoné. L'objectif de cette visite était de constater de visu la qualité de l'établissement et aussi procéder à la signature d'une convention de partenariat entre les deux parties. Plus de détails avec Awasanogo et Ibrahim Dao. Pour renforcer les liens de coopération entre les universités maliennes et russes, une délégation russe séjourne au Mali depuis quelques jours. Profitant de ce séjour, la délégation russe a effectué une visite à l'université privée Aloukoné UPAC. Premièrement, échanger, bien sûr, toujours invité chez nous en Russie,
en Russie, faire les études, continuer leurs études, les études pour les bacs, master, et faire la thèse de doctorat aussi. Peut-être un jour, ça sera bien sûr de notre opinion, oui, c'est organiser l'école pédagogique, encore c'est les classes préparatoires. L'université privée à Loukoné est une structure privée qui œuvre dans le cadre de la diversification de l'offre de formation au Mali, ce qui est une bonne chose. Voilà. Parce que les spécialités qu'ils offrent ici à Bamako, ou du moins tout près de Bamako à Kalabankoro, sont offertes dans les structures publiques à l'IPR. Donc les étudiants qui souhaitent avoir les formations offertes par l'IPR, s'ils ont la possibilité de les faire ici, je crois que c'est une bonne chose et c'est un plus, n'est-ce pas, pour la République du Mali. Le cadre de la future coopération qu'ils vont signer avec Lumumba, les étudiants vont pouvoir être formés, n'est-ce pas, à l'ULSHB, au centre de langue. La promotrice de l'établissement scolaire Aloukouni s'est réjouie de cette visite de la délégation russe qui, selon elle, contribuera au développement du système éducatif malien. Le sentiment qui m'anime, c'est le sentiment de fierté. Je suis vraiment fière, ravie et très satisfaite de leur visite. Et ce partenariat va faciliter beaucoup de choses, surtout au niveau des élèves. Ils vont avoir l'accès à la formation. La visite a permis à la délégation russe d'apprécier la qualité des établissements scolaires à Loukoné avant la signature prévue ce jeudi d'une convention de partenariat entre l'UPAC et l'Université russe de l'amitié des peuples Patrice Lumumba de Moscou. Des matériels agricoles et des kits scolaires ont été remis par ONU Femmes à plus de 3500 femmes et jeunes filles dans le district de Bamako et dans certaines régions du pays. Il s'agit à travers ce geste de contribuer au renforcement des capacités des bénéficiaires dans leur secteur d'activité génératrice de revenus. La cérémonie de remise officielle s'est tenue ce lundi au siège de l'Agence pour la promotion des investissements au Mali et en présence de notre reporter Bakary Msilibé. Voici son compte-rendu. Cette remise des kits s'inscrit dans le cadre du mandat de l'ONU Femmes au Mali afin d'appuyer l'autonomisation économique des femmes, les questions de la gouvernance, le leadership féminin, la lutte contre la violence faite aux femmes et la participation des femmes à la vie politique. 40 organisations féminines du district de Bamako et de certaines régions, 10 entreprises féminines et 30 jeunes filles sont les bénéficiaires de cette donation. Donc il y a tout un travail préalable qui est fait par le Women Business Center à travers les consultations qui ont été effectuées avec les entreprises féminines, les organisations de femmes qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de la production agricole, dans le domaine du commerce, dans le domaine des technologies. Et donc sur la base de ces consultations-là, il y a un ensemble de bénéficiaires qui ont été identifiés et à qui nous avons procédé à la remise d'équipement ce soir. Le Mali, c'est 49,7% des femmes. Et tout processus de développement qui se veut durable doit prendre en compte les besoins de cette couche importante. La donation est composée de matériels agricoles, de variétés de semences, des intrants agricoles et des pompes solaires pour faciliter l'accès à l'eau. Un appui qui permettra d'accélérer l'autonomisation de ces heureuses bénéficiaires. Gouvernement Kalabaka, Roba de la Ongi, hectare Kemé, Oreba Mboulou, Moussou, Tan, Anifla, Reba Kono. Nous avons 100 hectares aménagés à Samako par le gouvernement du Mali pour nos activités agricoles. 12 femmes et 120 hommes y travaillent. Des fois, nous sommes confrontés aux problèmes d'eau. Si nous avons ces kits solaires pour l'accès à l'eau et ces semences à notre disposition, cela ne fera que renforcer notre capacité. Notre souhait, c'est de travailler pour contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Nous demandons aussi à l'État de nous aider pour la réduction des l'importation des produits alimentaires. Aider une femme, c'est aider tout un pays. Nous sommes très contents de cette donation. Nous remercions l'ONU Femmes pour tous ses efforts pour nous.
fruit du partenariat entre l'ONU Femmes et l'Agence pour la promotion des investissements au Mali. La donation a été financée par le Danemark, la Suède et d'autres partenaires. La projection d'une vidéo sur les réalisations de l'ONU Femmes a été un autre temps fort de la cérémonie. La Fondation Terre des Hommes a organisé ce mardi 30 avril 2024 l'atelier de lancement officiel de son projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice pour les enfants vulnérables au Mali. Objectif, contribuer à l'appropriation du projet en interne et améliorer la qualité de gestion. Maimouna Ouidraogo, Zakaria Oumar Keïta. Communiquer et partager les informations du projet, recueillir les objections et les contributions, tels sont entre autres les objectifs visés à travers cet atelier de lancement officiel du projet d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice pour les enfants vulnérables au Mali. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme Accès à la justice de la Fondation Terre des Hommes vise à renforcer les cadres juridiques et stratégiques pour un meilleur accès à la justice et une meilleure protection des droits des enfants en contact avec la loi. Les enfants en contact avec la loi sont une catégorie d'enfants vulnérables que nous accompagnons dans le cadre de la justice pour enfants. Dès que ces enfants, soit qu'ils sont à risque ou victimes d'infractions, nous sommes interpellés et nous équipons avec tous les partenaires entrant en jeu pour pouvoir créer la relation d'aide et les accompagner en faisant le lien avec la justice pour que les mesures de protection judiciaire soient apportées conformément à ce qui est prévu par la loi. Pour le Bureau national catholique pour l'enfance, partenaire de mise en œuvre de ces projets, c'est une initiative qui va permettre d'améliorer la vie des enfants au Mali. Dans la situation actuelle de notre pays, il y a beaucoup d'enfants qui sont vraiment confrontés à des difficultés et on voit tout le temps des enfants heureux dans la rue et qui n'ont pas de répondants. Et donc avec des ONG comme Terre des Hommes et BNCE et avec ces projets, je suis sûre qu'il y aura un impact positif sur les enfants. Ce projet s'inscrit dans la ligne des efforts engagés par le gouvernement du Mali. C'est pourquoi la représentante du ministre de la Justice a, dans son allocution, remercié les initiateurs. Le ministère de la Justice est lancé dans un processus de réforme de ce secteur. Il s'agit de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à l'enfant qui entre en contact avec la loi de garder toute sa dignité, d'avoir une deuxième chance, d'avoir la chance de la réhabilitation et de continuer à évoluer dans une société. Donc c'est ça la particularité et c'est pour cela qu'on veut aller en réforme, pour donner mettre l'accent sur cette particularité et permettre à cette justice de tenir toute sa promesse. Les projets d'appui à l'amélioration de l'accès à la justice pour les enfants vulnérables au Mali, ProAGF, est financé par l'Union européenne et sera exécuté dans la région de Sikasso, Ségou, Koulikoro et dans les districts de Bamako. La désobéissance civile à Bankassa est terminée, a-t-on appris. Les forces vives viennent de lever les barricades ce mardi 30 avril 2024 à midi après une semaine de blocage à l'entrée et à la sortie de la ville sur la route nationale 15. Un terrain d'entente a été trouvé entre les autorités et les forces vives de Bankassa. Celle-ci protestait contre l'insécurité avec son corollaire d'enlèvement et de massacre sur ce axe, notamment entre Sangobia et Parou. Selon les forces vives, il s'agissait d'interpeller l'État à faire face à cette insécurité. Le trafic a donc repris cet après-midi sur la route nationale 15. À Sikasso, s'est tenu ce samedi 27 avril 2024 le forum des auditeurs de la radio Kénédougou, avec l'accompagnement financier de l'ONG Orfed et son partenaire RN à travers le programme Promouvoir une paix. Cette édition 2024 a placé sous le thème Dialogue communautaire pour la paix et la cohésion sociale, enjeux et perspectives vise à renforcer les liens sociaux entre les communautés tout en rapprochant la radio à ses auditeurs. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence des autorités coutumières, administratives et politiques de la région de Sikasso.
Idrissa Diallo, correspondance. L'édition 2024 du Forum des auditeurs de la radio Kénédougou vise à renforcer les liens sociaux à travers le dialogue entre les différentes communautés pour une paix durable. Et nous voulons que les membres de notre association soient des leaders dans leur milieu, des leaders pour éclairer les autres. Quand il s'agit vraiment d'un thème de développement, nous voulons qu'ils soient au devant, qu'ils continuent vraiment à éclairer les autres. Étant donné que cette année, les pouvoirs publics ont consacré vraiment les préoccupations autour du dialogue intermalien, on s'est dit que notre forum sur la thématique dialogue communautaire pour la paix et la cohésion sociale peut servir de tremplin qui va aussi renforcer déjà les discussions qui ont lieu dans les cadres de dialogue intermalien. Ça va renforcer, mais aussi ça peut vraiment préparer nos auditeurs à mettre en application les différentes recommandations des sessions du forum qui se sont tenues au niveau communal. Parce que nous voulons aider les initiatives nationales qui sont porteuses de développement, d'espoir pour l'ensemble de la population. Initié par l'Association des auditeurs de la radio Kénédougou et financé par l'ONG Orfed, ce forum est une aubaine selon le partenaire et les autorités locales. À travers le renforcement de la démocratie, n'est-ce pas, dans nos territoires, et aussi à travers le renforcement du développement socio-économique, et aussi donner l'opportunité, n'est-ce pas, à nos paysans auditeurs, n'est-ce pas, de s'inscrire dans la dynamique de la paix. Donc je suis aujourd'hui un représentant de l'État très ému, satisfait, et qui rentre aussi avec tous les espoirs, n'est-ce pas, pour en ce qui concerne les résultats de ce forum. De sa création à nos jours, la radio Kénédougou, à cause de l'exécution correcte de sa mission régalienne d'information et de sensibilisation, est devenue une référence dans la sous-région. Les recommandations issues de ce forum seront mises à la disposition des autorités. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, à même chaîne. Bonsoir.